suis le petit frère. Après lui, c'est moi. Alors, si vous demandez qu'est-ce que j'ai vraiment, là où je suis là, la seule chose que j'ai, c'est d'enterrer mon frère en tête. La seule chose. Je ne supporte rien à l'heure là. Surtout que depuis que j'ai vu la caisse hier, la débarquer devant moi à l'aéroport, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas pu dormir. C'est mon grand frère. Après lui, c'est moi. Il m'a initié depuis 1982. En 81, il m'a négocié à Bofa. Il m'a fait venir à Conakry en 1982 pour intégrer le Kalumstar. Parce qu'il avait dit qu'il y a beaucoup de chanteurs dans le Kalumstar, mais il n'y a pas les chanteurs qui peuvent composer. Donc il y a toujours des interprétations. Il dit, bon, toi, je te recrute, il faut venir avec moi dans le Kalumstar pour être titulaire du Kalumstar. C'est dans ça, en 1982, je suis venu intégrer le Kalumstar. Donc, je regrette très fort là où je suis aujourd'hui pour mettre Barry. Et on était toujours d'accord, toujours d'accord. Je marchais, je faisais beaucoup de choses avec lui. Hein. On a perdu un grand plié. Il a été une personne humble, simple, libre dans la tête et le cœur, avec un cœur très propre. Il va nous manquer, ce qui est très sûr. J'ai été trompettiste de Kalumstar des années. Et j'ai opéré avec Maître Barry. Ils ont fait des voyages importants. Ils sont allés en France, en Hollande, au Maroc, aux îles du Cap-Vert, en Guinée-Bissau, en Sierra Leone, un peu partout. Maître Barry a été un monsieur, une grande figure de la musique. Voilà quelqu'un qui a carpauté. Il a fait les attaques aériennes, ferroviaires, fluviales, routière pour défendre les couleurs de la musique nationale guinéenne. Voilà quelqu'un que j'ai connu quand on était ensemble là-bas avec Manu Dibango. Il avait peur de son sax. Une fois, le passage des Américains ici, ils étaient au palais avec Maître Momo Wandel Souma. Ce faisant, les Américains ont joué le jazz. Maître Barry était là avec Wandel. Un moment, ils ont fait un changement de gamme. Donc, changement de gamme, tout de suite, Wandel a dit à Maître Barry, ils sont allés en gamme chromatique. Alunga, soprano tongo, et en saxo tongo. Maman Wandel a pris le sax soprano. Il est parti loin. Wandel, Barry aussi a pris le sax alto. Ce faisant, les Américains ne se sont pas retenus. Ils ont dit que nous avons vu les figures guinéennes. Quand on prend Manu Dibango, là-bas, à Sartrouville, en France, Maître Barry et Manu Dibango, voilà des gens qui sont partis. Quand on prend encore Ok Jazz, on s'est rencontré au stadium de la Sierra Leone. Malgré tout, le chef d'orchestre, c'est un monsieur. Il a respecté Maître Barry. Arrivé ici, l'orchestre du Sénégal, le chef d'orchestre Sako, il a pris le tonneau, Barry a pris le sax et nous sommes allés très loin. Il ne s'agit pas de mourir, mais il s'agit de bien finir. Il a été enseignant, il a contribué. Il a été musicien par passion, il en a fait. Donc, le jour d'aujourd'hui, il a tiré sa révérence en France. On ne peut pas rester sans reconnaître en lui. Mais on dit souvent que l'homme qui tient à partir de loin ne pourra pas un moment arriver parce qu'il a terminé sa course ici. On dit tout témoignage qui ne se passe pas de témoignage n'a pas sa raison d'être. Si je suis là aujourd'hui, j'ai été délégué par le commandement pour venir représenter tout le haut commandement de la gendarmerie nationale à ces cérémonies de funérailles parce que Maître Barry a été un élément fort de l'épanouissement des Amazones en Guinée. Il les a accompagnés dans l'évolution, dans leurs entraînements. Il les a accompagnés partout dans le monde. C'est grâce à lui aujourd'hui que certains instruments utilisés par les Amazones ne sont pas utilisés par d'autres artistes, grâce au talent qu'il a laissé aux Amazones de Guinée. Pour cela,
la hiérarchie vraiment présente les condoléances à toute la famille éplorée, surtout ses enfants, et appelle ses enfants à prendre vraiment sa place dans ce monde avant de quitter la vie. C'est mon papa. Il a été tout pour moi. C'est lui qui a été le témoin de notre mariage. Ce jour, il avait dit que c'était sa première fois qu'il soit témoin de mariage. Donc depuis lors, vraiment, il a représenté mon papa. Vraiment, je prie qu'il repose en paix. Que Dieu l'accorde du paradis. Papa, papa, je prie nuit et jour pour que ton âme repose en paix. J'aurais voulu qu'on continue ensemble cette vie, mais Dieu a décidé autrement. Je ne peux que m'en remettre à sa volonté et prier que tu reposes en paix. Je ne t'oublierai jamais, papa. Je suis très très fier de toi, papa. Où tu es, que Dieu ait pitié de toi. Qui te fait entrer dans le paradis le plus riche. Je prie pour toi. Je t'aimerai jusqu'à la fin de nos jours. Tu es le meilleur papa du monde. Tu as été tout pour nous et tu seras tout pour nous jusqu'à la fin de nos jours. On te promet, on continue à prier pour toi chaque fois qu'on pourra. Maître Barry était quelqu'un d'exceptionnel. Il a toujours été là pour servir la nation. Toutes les grandes occasions de fêtes ou de réjouissances, il était avec nous. Donc c'est une réelle perte pour la Guinée. C'est un grand maître qui est parti. Et c'était un artiste complet. Il y a un grand auteur français qui a dit que lui voudra exister lorsqu'il ne sera plus. Je pense que Maître Barry est dans ce monde-là. Les œuvres de Maître Barry vont le suivre un peu partout dans le monde. Parce qu'il existera maintenant, après. Parce qu'il a accompli de grandes œuvres. C'était quelqu'un de généreux, qui aimait partager, qui aimait faire vraiment... qui aimait la solidarité. Ouais, c'est une grande émotion pour nous d'être là ce matin, d'assister à la levée des corps de Maître Barry. Maître Barry, c'est un grand Guinéen, c'est l'un des fils aînés de la culture guinéenne. Il a tout donné à la Guinée, il a vécu pour la Guinée, il a su faire rayonner les couleurs guinéennes à travers le monde. Je suis très fier aujourd'hui de cette mobilisation, je suis très fier de voir les Guinéens se donner la main pour rendre hommage à cet homme. Ce n'est que normal, ce n'est que normal, ce n'est que récompense régulière que les Guinéens reconnaissent en cet homme un monument de la culture nationale. C'est un frère pour nous tous, un ami maintenant, c'est la même famille. L'orchestre est là, au complet, grand complet. On ne pourra jamais l'oublier pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous demandons seulement et nous prions à Dieu de l'accepter dans son paradis et de nous pardonner si nous l'avons fait du mal. Et nous aussi, nous demandons qu'il nous pardonne si toutefois on l'a fait du mal. Et que Dieu nous pardonne tous. Que Dieu l'accueille dans son paradis. Vraiment,
à quand ma demain entre Barala, vraiment c'était vraiment il était bien à ma cogu qui a moi cela depuis me la paix en cabaraka. Moi c'est Bakankita et c'est triste pour nous aujourd'hui, pour la Guinée, pour l'Afrique, parce qu'on a perdu un grand musicien avec Maître Barry. Nous, il nous a fait beaucoup, il nous a montré beaucoup les méthodes de travail, comment travailler. Si il n'est pas parmi nous aujourd'hui, vraiment je le regrette, c'est triste pour la Guinée, pour l'Afrique. Mais c'est la volonté de Dieu. Il a construit ce groupe. Il était là, comme j'aime le dire, comme enseignant. C'est un enseignant, c'est un éducateur. Il prenait tout le monde dans ce genre-là. Nous, on l'a vu s'exhiber dans les coins, comme l'Europe par exemple. Partout où il allait, il donnait des cours. Il essayait de capter l'auditoire. Les enfants qui sont là, il les captait carrément. Quel que soit votre comportement, il vous captait. Aujourd'hui, on se remet à Dieu. Nous sommes ici à la morgue de l'hôpital Ignace Digne pour rendre un ultime hommage à Maître Barry, le dernier maître souffleur qui a marqué son temps. Pratiquement, il a, de son vivant, il a attiré la jeune génération à s'intéresser aux instruments avant. Et aujourd'hui, il a tiré sa révérence et c'est un grand baobab, grand arbre qui s'est affaissé. Et à cette circonstance, nous ne pouvons que prier le Tout-Puissant Allah qu'il l'accueille dans son paradis pour le repos éternel. Que l'âme de Maître Barry repose en paix. Nous sommes ici à la morgue de l'hôpital Ignace Digne pour rendre un ultime hommage à Maître Barry, le dernier maître souffleur qui a marqué son temps. Pratiquement, il a, de son vivant, il a attiré la jeune génération à s'intéresser aux instruments avant. Et aujourd'hui, il a tiré sa révérence et c'est un grand baobab, grand arbre qui s'est affaissé. Et à cette circonstance, nous ne pouvons que prier le Tout-Puissant Allah qu'il l'accueille dans son paradis pour le repos éternel. Que l'âme de Maître Barry repose. Maître Barry, un ami inoubliable, un instrumentiste hors pair, que nous pleurons encore très longtemps. Qu'il repose en paix. Ce qu'on retient de l'homme, c'est une grosse perte parce que c'est une école. Moi, la dernière fois que je l'ai aperçu, c'était au chapiteau quand on célébrait mon frère, mon cousin. Et Jean William, ce jour-là, il était vraiment enthousiasmé. C'est qu'on pourrait dire, et nos héros, nos icônes, et il faut qu'on les célèbre, il faut qu'ils écrivent pour permettre à la nouvelle génération et d'en profiter. Bon repos à Tonton Barry, ce grand musicien qu'on a connu, qui nous a vraiment enchantés. Merci. Très sombre, pour ne pas dire triste, oui, pour la culture de façon générale, oui, mais pour la musique guinéenne et même africaine, puisque celui que nous accompagnons aujourd'hui à sa dernière demeure était un musicien de très grande facture. Je dirais même un instrumentaliste, parce que l'instrumentaliste est au-dessus de l'instrumentiste.
Alors Maître Paris, c'était le groupe qui était parfait de l'instrumentaliste dans le vrai sens du mot. Et mieux, imaginez-vous qu'il a 79 ans. Quand vous retirez 15 ans de 79 ans, c'est ça, sa pratique musicale. Thank you.
Boom, boom.